pouvoir en fabriquer. Alors, si on doit réaliser un masque de fortune, y compris dans le contexte familial, eh bien, on a besoin donc d'une serviette en papier ou d'un sopalin, de quelques élastiques, d'une agrafeuse. Et puis, bien sûr, réaliser ces masques, eh bien, c'est celle de contaminer les mains. Donc, la décontamination se fait. Je vous rappelle qu'il y a une norme pour se laver les mains. Ce qu'il faut bien prendre, c'est surtout les pouces, les parties supérieures, les mains, et on termine par les ongles. Vous la dépliez complètement et vous allez la plier en accordéon, comme ceci. Une fois que vous l'avez pliée, vous allez mettre à chaque extrémité donc un élastique et que vous allez tout simplement agrafé comme ceci. Votre masque complètement réalisé est celui que je vais vous montrer porter. Maintenant, on peut le faire avec du sopalin, c'est plutôt adapté à des enfants. Le principe de ce masque n'est pas de filtrer l'air, c'est simplement donc d'empêcher la propagation dans l'environnement, dans l'air, de particules de salive qui sont potentiellement contaminées par le virus. Il suffit donc de placer un écran pour que cet écran absorbe ces petites gouttelettes et donc d'éviter la contamination. Il est donc possible d'utiliser des masques de fortune, serviettes de table, et qui peut s'utiliser de la façon suivante. Voilà, avec ce moyen, vous avez un masque qui est tout à fait étanche.